Si vous êtes sur la vidéo qui est sur FlapixTV, bienvenue à vous dans une toute nouvelle vidéo custom map zombie. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons faire un jeu d'armes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de gun game, bien évidemment. Aujourd'hui c'est pas n'importe quel jeu d'armes qu'on se fait. C'est honnêtement de ce que j'ai pu essayer vite fait avant le stream pour voir si en vrai ça allait valoir le coup ou non. C'est selon moi le meilleur jeu d'armes de l'histoire du zombie de Black Ops 3. Et je pèse mes mots. Mais vraiment pour moi c'est le meilleur jeu d'armes qu'on peut avoir et qu'on a actuellement en zombie. Étant donné qu'on fait le jeu d'armes de Mori Rebirth, mesdames et messieurs, qui est sorti il y a peu de temps, map de Emox évidemment. Une map de qualité, voilà, juste c'est le seul mot la seule manière dont on pourrait décrire la map. C'est genre qualité, voilà. Et ouais, du coup on va se faire son jeu d'armes. Du coup dans le jeu d'armes j'ai mis le kit d'armes de la map plus le kit d'armes de Black Ops 3, les versions pack-a-punch et les versions classiques. Ce qui veut dire que du coup on a un total de 146 armes à se faire dans ce gun game. Et ça va bien. Ouh, ça commence à devenir très sportif, on va essayer de bouger le plus vite possible. Donc si faire un total de 146 armes à faire, et vous allez voir le gun game, déjà il est quali de ouf. Déjà il est complet de ouf. Enfin littéralement c'est honnêtement le meilleur jeu d'armes de Call of Duty Zombie. Honnêtement, c'est vraiment le meilleur jeu d'armes qu'on va se faire. Du coup, comme d'hab, on tourne ça en live Twitch comme tous les mercredis soirs à partir de 20h. Voilà, on stream sur Twitch. Et du coup, si vous êtes sur la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les futures vidéos zombies. Et nous, c'est parti, mesdames et messieurs, let's go. On va se tenter de faire ce jeu d'armes. Et j'ai bien dit tenter de faire ce jeu d'armes. Hop, je te coupe une minute dans la vidéo parce que ce que j'ai à te dire, ça peut fortement t'intéresser. Si t'en as marre de payer plein pot tes cartes PSN, tes jeux, tes abonnements ou tes DLC, va checker les frérots Eneba. A tout à prix réduit. Par exemple, ton abonnement PSN d'un an vaut 60€ et même pas à 48€ sur le site. Ou encore la carte PSN du valeur de 50€ et à même pas 43€. Ou encore Black Ops 3 PC, il a même pas 15€. C'est les prix les plus bas du marché. Même pour tes jeux PS4, au lieu de les acheter sur le PS Store, prends directement une carte PSN chez Eneba, comme ça tu créditeras ton compte et t'achèteras ce que tu veux. Et si tu veux faire des économies sur tes jeux DLC, cartes, tout ça sur PC, PS4, Xbox, Switch, etc. Le lien d'Eneba est en description. Et en plus de ça, t'as une réduction supplémentaire avec le code FlapX3 pour payer tes jeux encore moins cher. J'espère que ce bon plan de ouf te servira. En attendant, on repasse à la vidéo. Bon visionnage à toi, mon BG. Oh non, ça me volait mon cerise électrique. Oh là là, oh là là, oh là là, oh, ça sent pas bon ça. Oh là. J'essaie d'aller à cerise pour pas qu'il me le vole. Mais honnêtement, non, c'est ultra dur comme comme jeu d'armes. Ah! Voilà le x2, c'est parfait. Ça, je prends le x2. Du coup, chat, désolé, là, j'ai full me focus, même YouTube. Hein, je suis vraiment désolé si jamais je lis pas tous vos messages. Enfin, si je suis pas très... Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Non, c'est vraiment ultra compliqué de ouf. Mais on va quand même essayer de se faire ce gun game. Du coup, ouais, 146 armes au total. Ça risque d'être quelque chose de pas mal compliqué. En vrai, voilà. Et d'ailleurs, ils m'ont pris mon cerise électrique, du coup, j'avais pas vu. Oh, on a tout. Ah, j'ai pas pu... Ok, il y a peut-être une limite de 6 à tout, d'ailleurs. Voilà. J'ai essayé de tuer les singes, parce que ça fait un max de points quand j'ai tué, alors qu'ils essaient de me focus. Hop. Je sais pas si une limite, on peut essayer d'aller voir. Voilà. C'est limité à 4 à tout. Bah, visiblement, non, écoute, j'ai pu en acheter 5. Hop. De toute façon, la map de base est limitée à 5, déjà. En plus. Attends, hop, hop, on prend les bonus. Non, mais quand vous regardez au niveau de l'ATH, au niveau de comment les armes, elles changent, etc. Au niveau de l'affichage du nombre d'armes nécessaires, des points nécessaires, des armes, des atouts, enfin des bonus plutôt, je veux dire. Vous voyez que le jeu d'armes, c'est vraiment pas n'importe quoi. Donc c'est pas assez un petit truc fait comme on peut faire d'habitude. Genre c'est vraiment un jeu d'armes qui est... Bah c'est le meilleur quoi, voilà. Protect, bah non je m'en fous. Bon bref, j'ai pas protégé Attends, il a cru que j'allais protéger les mental pop le jeu. Mais il est fou. Du coup je suis content, on a déjà passé les snipes. Ok, on va passer maintenant au lanceur. J'ai vu qu'apparemment il n'y a pas PHD. Ce qui m'embête un peu en réalité. Étant donné que... Bah les lanceurs sans PHD ça va être très drôle. Franchement. Attends, hop. Voilà, donc au niveau des bonus, j'ai vu qu'il y a le bonus escargot qui permet du coup de ralentir les zombies. Il y a un bonus free perk. Il y a un bonus qui permet de changer d'arme. Bonus qui permet je crois de pack à punch l'arme. Puis après les bonus classiques. Là d'ailleurs on passe déjà à 2500 points nécessaires pour passer à la prochaine arme. Déjà, alors qu'on est que à 18 armes sur 146.
Autant vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et que ça risque d'être pas mal long et pas mal compliqué à faire. Oh, j'aurais pas dû prendre... Attends, c'est bon. Tac. Qu'est-ce qu'on a? Escargot, non, x2, vas-y, je prends. Et ce qui est trop cool en vrai avec ce jeu d'armes aussi, c'est que du coup, tu peux essayer de... Genre, je sais pas comment dire. Mais genre, avec les singes, tu sais, tu peux essayer de faire en sorte, tu vois, de loot... bah, des bonus qui t'intéressent, tu vois. Tu peux genre te développer une strat et tout sur le... Y a ce gun game. Enfin non, je trouve vraiment trop trop dingue. Ok. Et j'ai l'impression que ça change en fonction des armes d'ailleurs, les points nécessaires. Genre regardez. Là c'est 1250 points cette arme là. Voilà. Est-ce qu'on a... Oh, en invincibilité, c'est très cool. Si y'a PhD, mais faut de la chance. Ok, parce que bah, la machine PhD, je t'avoue que je l'ai pas vue, justement. J'ai pas vu la machine PhD. Le free perk, je peux essayer de faire en sorte qu'un petit monkey vienne dessus. Pour ça, hop. Allez, petite promo. On passe d'une arme. Surtout que là on est avec le pistolet, du coup je suis pas vraiment à l'aise avec l'idée d'avoir des petits flingues. Ok, on a quoi? Gorgon. Ah. Ah bah les petits pistolets en fait j'aimais bien. Ah parfait ça, attends. Ah non, le singe, je crois il m'a tapé. Parce que les singes, je vais essayer de les tuer parce que le singe tué... Enfin... Oh. Quand tu tues un singe qui de base venait pour prendre la natou que t'as pris... Oh putain, non, 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 attends. Ça te fait 500 points quand tu le tues. Ok. C'est Lubert, c'est lui, 859, c'est ceux qui arrivent. Ah, salut vous tranquillement les gars. Oh, le x2. Ah, attends, 2 secondes. Hop. Oh. Oh merde. En vrai, j'ai envie de voir si... Il désactive ma saut ou pas du coup. Si jamais on ira le réactiver. Par contre, choqué parce que ça se passe bien, bien mieux que ce que j'ai testé hors stream. Oh la vache. Ok, ah j'ai une amélioration élémentaire dessus d'ailleurs. Ok. Pour l'instant, ma sœur a pas l'air d'être pris, donc à la limite, en vrai, je pourrais camper ici. Hein. Et vous en pensez quoi, chat? Je pense que je suis plutôt pas mal. Pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai que le kit d'armes. Le kit d'armes de BO3 classique, et je pense qu'après le kit d'armes de la map il arrivera bah juste après hein, du coup, en théorie. On va essayer de profiter d'un max du x2. Hop. Ok, là j'ai quoi? Ok, là y'a ça, c'est cool, vas-y on améliore. Comme ça on a le manoir amélioré. Oh là, oh là là. Ah, petite invisibilité en plus. Oh là là, tous les singes. Moi, oh, j'arrive en tuer un max des petits monkeys. Oh yes, j'ai réussi à l'avoir, je crois. Ok. Ok, on est pas mal. Non mais vraiment, Emox, si tu passes par cette vidéo, je tiens à te le dire, le jeu d'armes que t'as fait avec Mori, c'est vraiment le meilleur jeu d'armes du custom. Hein. Genre, mais très largement. Oh! Oh bah la GGB de la map. Ok, on est à 51 armes sur 146. C'est énorme 146 hein, quand on regarde. T'as perdu ma sto. Ah ça, j'ai perdu ma sto. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ma sto? En sachant que je suis un peu un joueur pro. Vraiment, la GGB c'est vraiment l'une des armes spéciales des plus drôles hein, franchement. Ok. Non. Ah, au secours. Oh. Oh, ça c'est bon comme bonus par contre. S'il te plaît, on est déjà mange 24, frère. Oh. Ah, l'escargot, s'il te plaît. Wouh. Purée de pommes de terre. Ok, on a beaucoup de perks. On va essayer de speedrun, sinon je vais être en retard pour jouer avec les loulous. Ok, un sac kill. Ok, on enchaîne, chat. On est à 60 armes sur 146.
pas vrai, putain. C'est terrible. J'ai perdu double tap en plus. Ok. Oh, je jure, il est tellement dur ce jeu d'armes, chat. Oh bordel. Ok. Ah, il buggait lui. Ah non, sinon je vais lui faire des dégâts. Je pense qu'il va attendre. Oh oui. Ça, je prends direct. Ok. Ok, ok. Cela, dès qu'il y a un faux 2, c'est au moment d'enchaîner les armes. On a un truc pour passer l'arme suivante. Oh merde. J'aurais peut-être dû finir à Peacekeeper avant. Ok. Oh, ça vaut pas de temps de points en plus, je suis en x2. Ok. Petit singe de brin. Non mais merci beaucoup encore à Cetix hein, pour le soutien. Là, ce que tu viens d'enchaîner, je... je suis désolé, je suis focus. Je peux pas plus faire la fête que ça, je suis désolé beau gosse. Mais... non, clairement là, c'est stratosphérique ce que tu viens de faire. Hein. Genre vraiment... C'est démentiel, wesh. Là, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer quand même. Hé, hein. Hey, j'ai un bon... un bon spot. Là, je peux descendre si c'est la merde. Ok. Là, je m'embête même plus à essayer de faire des trucs avec les singes ou quoi, au niveau de des perks et tout. Là, non, je suis juste focus à tuer un max de zombies. Oh non, j'aurais pu gratter 500 points, j'ai la haine. Okay. Hop. Oh stylé, c'est le camouflage qu'on a sur BE4 celui-là. Attends, je suis en train de tilter, c'est le premier camouflage Mastercraft, je sais plus comment ça s'appelle en français. Virtuose, je crois, de BE4. Ok, les Hedgecock. Là c'est cool parce que du coup on a un kit d'armes qui est majoritairement de BE4. Grâce au map de la map. Grâce aux armes de la map, pardon. J'en bégaye, c'est terrible. Oh non, j'ai pas vu à ma droite. Terrible, terrible chat. J'ai perdu quoi du coup? J'ai perdu des Kiri. Bon, je m'en fous. Et quand je donne, ça fait perdre un perk en plus. Bah, je l'ai récupéré. Allez, petit monkey au sol pour gratter 500 points. Ok. Oh là. La Hades. La Hades pack a punch. Et bah l'essai c'est quand même bien meilleur sur, sur Boric que sur, sur BE4 hein. Encore heureux, sinon ça aurait été un peu chiant. Allez hop. L'escargot pack a punch direct. Ok, 81 armes, là on est en train d'enchaîner chat. Là dans 10 minutes c'est fini. Et franchement je sais pas si vous vous rendez compte de la qualité du gun game qu'on a. Entre tu sais tous les bonus. Même la façon de passer à l'arme suivante et tout avec l'ATH. Hein, quand je disais que c'est le meilleur gun game de BO3 zombie, c'est vraiment pas une vanne, c'est vraiment le meilleur jeu d'armes quoi, c'est fou. C'est vraiment aussi les camos de Mori aussi, j'aime bien. Enfin de Mori Rebirth, pardon. La cordite. Qu'est-ce que je les aime bien les armes de BE4 en zombie. Oh, j'ai surkiff. Un peu plus d'armes, vas-y, let's go, on s'embête pas. Balle infinie, ça c'est bon. Ah! Ah, j'ai l'impression qu'on a pas d'auto-dégâts par contre. Ah si, on a des auto-dégâts. Je voulais vérifier. Oh, le pauvre singe. Oh, il s'est fait détruire. Ok. Eh ben, on est pas si mal, hein. Petit instant kill. On a 90 armes quasiment. Hop.
On est quand même déjà mange 28. C'est énorme. Je pense qu'il m'inquiète parce qu'on n'a pas eu le paladin. Donc je sais pas s'il est dans la map. Mais s'il y est, ça voudrait dire qu'on va le drop plus tard. Et c'est inquiétant. Oh! T'as tout aussi ergo, nice! Ça peut être cool pour être un peu chill. Un petit x2 là qui veut drop, ce serait cool. Hop là, le petit singe. Le petit singe. Ça enchaîne là. Ah là, là, je suis en plein enchaînement, les gars. Oh non, j'ai plus le temps de le taper. Enfin, de le tuer avant qu'il me tape. J'ai le seum. Là, c'est ce qu'il faut, de toute façon. Parce qu'il y a 21h, de toute façon, je rejoins les copains. Donc, faut pas qu'on mette trop de temps non plus. Ah, encore le monkey. Ok. Ok, Ogre. Ogre amélioré. On va passer le cap des 100 armes incessamment sous peu. Oh mon petit ABR, oh ma petite ABR chérie. Oh, il a mis le skill avion. Oh, il manque, je t'aime. Oh, mais il est trop fort, putain. La version pack à punch de la BR, c'est l'avion. C'est mon skin préféré all time sur code. Oh, je suis trop refait. Oh, il a refait ma soirée. Oh, Emox, je... T'es trop fort. Oh, je te dis, Emox, t'es juste trop fort. Putain, mais ouais, les variantes améliorées, c'est des armes virtuoses, pour certaines. Genre, l'un de vaisselle avec le vampire sur la vapre. Je sais, je les connais toutes, je les avais toutes, les variantes virtuoses. Le 4, j'étais un pigeon de ouf, hein. Attends, c'est mon préféré, donc bon. Oh, on a Kimbo les Sog. La BR, ah, mais la BR avion, là, je suis trop... je suis refait. Oh, ce gun game chat, il est dingue. Ah, on a plus marathon, faut que j'aille le réactiver. C'est très risqué ce que je vais tenter. Mais sans marathon, c'est chiant. Du coup, voilà. Game, tu vois, pendant le gun game, du coup, t'as des singes qui peuvent désactiver tes atouts. Du coup, tu sais, t'as des malus et tout. Ce qui fait que c'est quand même pas mal complexe. Non, c'est vraiment trop bien. D'ailleurs, on est passé à plus de 100 armes actuellement dans le gun game. Et vraiment, YouTube, si vous êtes sur la vidéo, explosez la vidéo de like hein, pour ce gun game de qualité. Oh là. C'est un silent. Désolé chat si je vous lis pas du tout. Vraiment je m'excuse mais je suis tellement concentré, je vous jure. Ok, invincibilité. Oh, elle est trop belle cette KN44. Non mais c'est... Non mais Mox, mais le taf qu'il a fourni chat, rendez-vous compte hein. Oh là là. Il y a carrément les variantes virtuoses quoi qui ont... Non mais... Oh, c'est dingue. Mais de vrai, c'est hallucinant. On a un peu de repos au moins avec les zombies là. C'est cool. Les zombies qui étaient ralentis par l'escargot. Y'a pas les variantes virtuoses sur toutes les armes, mais y'en a quand même les plus belles quoi. Oh merde, oh ça c'est moi fou. Ok. Ah, y'a encore nos snipers. Oh, c'est peut-être le sniper avec la variante trop stylée d'ailleurs. Tu sais, avec la main de catalyseur. C'est celui-là. Non mais c'est dingue. Oh non. Ah punaise. Oh, c'est pas vrai.
Oh, j'y arrive pas. Oh non. Oh, c'est la débandade, chat. Hop. Là, c'est la débandade. Très risqué ce que je tente. Parfait ça le x2. Parfaitement parfait. Ok, VKM. On a 123 armes sur 146. Oh bordel. Vite pendant le x2. Let's go, let's go, on enchaîne pendant le x2. 126 armes. Du coup il nous reste moins de 20 armes maintenant, chat. Ah, oh, The Ender. Hop, allez. Comme ça la version PK Punch. Oh bah alors là ça passe aux pompes mon pote. C'est pas la même histoire hein. Oh mon mug. Il y avait une variante ou pas virtuose sur le mug. J'en souviens plus du tout. Oh merde, j'ai tué le singe, j'aurais dû attendre pour qu'il change les bonus. Non, il n'y a pas mis de variante, ok. Ok. Hop là. En théorie celui-là c'est celui qui fait des explosions d'ailleurs. En version améliorée. Ouais c'est ça. Ah il a fait exactement comme sur... Oh non c'est trop, trop fort. Discord. Oh, c'est la variante. Celle-là, j'ai jamais pu l'avoir. Je crois que t'es payante et j'avais loupé le pack. Il me semble, de souvenir. Oh là là, c'est. Oh là 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 là. Bon, tant pis pour les bonus, hein. C'est un peu trop le bordel. Les petits shields. Ok. 140 armes les gars. On arrive à la fin du gun game. On y arrive. Oh là là. Il aurait été compliqué à faire hein. Vraiment il est dur hein. Dur mais beaucoup trop stylé. Beaucoup trop de qualité. Oh là le régal. Ah. Ok, le Ragon doré. Alors, ce serait quoi la dernière arme du coup? Oh, ok. Oh, je m'attendais pas à avoir une autre arme classique du coup. Et bah, dernière arme. Il y a cette version PK Punch à faire aussi. Let's go, chat. Nous y sommes à la fin du gun game de Mori Rebirth, le gun game complet, arme BO3, plus arme de la map, plus un pack à punch, plus version améliorée, en plus des non améliorées. Oh, il aurait été trop dur. Hein. Attends, elle finira la ferme? Quand même. Quand même, attends. Go finir le gun game à la ferme. Oh là. Oh non, mais cette map, qu'est-ce qu'elle est dingue, putain, mais qu'est-ce qu'elle est dingue. Ok. C'est le moment où nous sommes libérés de cette souffrance. Enfin, si je choque pas. Normalement, ça va le faire, chat. Wouhou! Eh bah, putain! 37 minutes pour le faire, quand même. Wouah, il était tellement dur, mais tellement fou. YouTube, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo sur le gun game.
le meilleur gun game du zombie Black Ops 3. On était sur le jeu d'armes de Mori Rebirth. YouTube, si vous avez kiffé la vidéo, pensez à liker avant de partir. Si vous voulez peut-être qu'on le retente, mais en version encore plus hardcore, en commençant peut-être une manche plus élevée, je sais pas. Bref, abonnez-vous YouTube pour ne pas louper les futures vidéos sur cette chaîne. C'est tous les mardis, jeudis et samedis. Activez la cloche des notifications, bien sûr. Rejoignez les live Twitch pour voir tous ces épisodes tournés en stream sur Twitch. Allez, sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine YouTube.